Finalement, on apprend que Desbordeaux dit bon, histoire de Viviane, même c'est bon, c'est pas la peine. Voilà, je ne me suis pas fait connaître sur le plan mondial grâce au son de quelqu'un. Je vous ai dit quoi ici? Je vous ai dit quoi ici? Je vous ai dit que Desbordeaux ne sortira pas la chanson Viviane, non? Allez regarder mes anciennes vidéos, je vous ai dit ça ici, non? En tout cas, on va regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin et vous allez mieux comprendre. Donc, affaire de Viviane, là, bon, c'est bon. Voilà, il a déposé le son. Voilà, les gens n'ont qu'à continuer de faire les challenges. Parce que, en fait, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu méchants. Parce qu'ici, ils disent bête. On dit Makoso, tiens, justement. En fait, ils sont bêtes. La chose, Viviane, Viviane, tu m'as fait. Les gens faisaient beaucoup de challenges sur TikTok. Et il y a un jeune Ivoirien qui dit, mais vieux, le son là, faut rentrer en studio, tu as fait sortir ça. Desbordeaux n'a jamais voulu faire sortir ce son. Jamais, c'est pas Desbordeaux. Desbordeaux s'en fout de ça. Voilà. C'est un louchi. Voilà. Et Desbordeaux est connu dans le monde entier. Malgré ces un son qu'il fait sortir là, il est connu. Voilà. Il est connu. Et puis si un artiste est mondialement connu, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui lui a donné le nom. Sinon, on ne valide pas, il n'y a pas... C'est qui même? C'est la Côte d'Ivoire qui valide. Il n'y a pas un artiste au monde entier africain qui est connu que la Côte d'Ivoire n'a pas validé. C'est quand on valide qu'on dit Biaka, c'est validé. C'est la Côte d'Ivoire, le 225. Donc c'est un jeune qui fait un poste et puis demande au réponse et puis dit avant de le faire, je vais rentrer en contact avec l'artiste qui est l'auteur. T'as pas même affaire d'auteur, même il n'y a pas l'âme dessus déjà au Cameroun. Il n'y a pas l'âme déjà. Le jour où Desbordeaux dit, je vais rentrer en contact avec l'artiste, il y a un autre qui sort, qui dit, c'est moi qui suis l'auteur, vrai auteur de ce son Viviane. Regardez comment les Camerounais eux-mêmes sont sorciers entre eux-mêmes. Le Camerounais a pour sorcier le Camerounais. Et ce sont des managers, des blogueurs, qui vont prendre un artiste aussi aveugle, qui viennent dans le but de dire, l'autre a volé mon son, pour que Desbordeaux, entre-temps, gère le mouvement aussi de cet artiste. Bon, bref, laissons ce côté. Aujourd'hui, je vois des Camerounais qui disent Desbordeaux aurait dû... Est-ce que vous êtes sérieux? Quand vous parlez, est-ce que vous réfléchissez même? Desbordeaux aurait dû prendre un avion, arriver au Cameroun, pour dire, mon frère, bien-aimé, s'il te plaît, est-ce que... L'artiste, là, il devait se mettre à genoux pour dire merci Desbordeaux de réveiller mon son et de donner une dimension mondiale à mon son. Il n'est jamais au niveau de Desbordeaux. Desbordeaux dans son coulé, Desbordeaux dans son coucher. Même le vieux sorcier qui est couché au Cameroun sait qui est Desbordeaux. Mais il n'y a aucun Ivoirien qui connaissait qui est Aimé qui a chanté via. Aucun Ivoirien le connaissait. Vous rentrez même quand vous demandez dans les rues qui est Malox, on ne le connaît pas. Quand on dit qui est tenant, on ne le connaît pas. Le gars de Enis Junon là. Voyez comment les choses se passent ici. Hein? On ne le connaît pas. Personne ne peut discuter Camille Makoso, mon amour pour le Cameroun. Mais ma vérité, il faut qu'il soit entendu. Personne ne connaît Malox en Côte d'Ivoire. On le connaît en tant que quelqu'un qui fait vidéo. Et moi, je ne connais aucun son de Malox. Aucun. T'as dit, si tu chantes un son de Malox, je ne connais pas. Mais quelqu'un qui me dit qu'il ne connaît pas, qui est Desbordeaux, Likoumfa. Le Mimi, lui, va prendre toi ton son pour mettre ton son sur la planète. Et puis, on venait dire non, que lui va. C'est l'artiste aimé qui doit prendre avion pour venir dire merci à Desbordeaux en Côte d'Ivoire. D'avoir pensé à son son, d'avoir même interprété même son son. C'est comme si on dit, une petite fille en Côte d'Ivoire fait un son, et puis Rihanna entend le son, elle, ça lui plaît, et puis Rihanna prend son téléphone, elle tape, on dit, oh, Rihanna a foutaise. Pourquoi Rihanna ne se déplace? Vous êtes malade, hein, à péter dans la tête là-bas. C'est lui à se déplacer pour aller dire, si j'ai l'honneur de solliciter, s'il te plaît, les grandes affaires, là, même les grands milliardaires au monde, ils traitent les affaires au téléphone. Oui, allô, bonjour, écoute, par rapport à l'affaire, les grands contrats souvent se traitent au téléphone. Les grandes rencontres par rapport au comment on appelle ça, aux signatures de contrats de football souvent se traitent au téléphone. On dit, tel président de club m'a appelé. On ne se déplace plus. Dieu a créé aujourd'hui la technologie pour régler les choses. Qu'au nom, par une mesure de politesse, c'est écrit où? Que pour que toi, je puisse faire le remix de son son, je dois me déplacer. C'est pas un futuriste.
Le featuring, ça veut dire tellement chanter ensemble. Mais il n'y a pas chanté toi. Mais ton son me plaît. Je veux faire le remix. Le mouvement, c'est comment? Tu prends combien? Ah, moi, il y avait 10% sur le son ou 20% sur le son. Ok, mon manager t'envoie le contrat. Ton manager envoie le contrat. On signe le contrat tranquillement. On gagne, toi, on s'en va. On a besoin de s'évader par rapport à ça. Ah, mais j'ai cassé la tête. Comme si Debordo est tellement fini qu'il a besoin d'un son. Debordo ne voulait jamais chanter. C'est nous, on l'a imposé. Debordo veut chanter ce son-là. Et puis Debordo dit, bon, ok, pour vous, je vais rentrer en studio. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc quand j'entends des gens qui disent Debordo veut voler, il a volé, il est ceci, il est cela. Mais à un moment donné, il faut qu'on se respecte. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Bon, il dit maintenant, il ne chante plus. Voilà. Donc vous demandez à vos artistes de faire sortir le remix et de faire sortir le featuring ou quoi qu'ils veulent. Nous, on n'est plus dans ça. Et puis on voit ça en 24 heures. Ça a fait 1 million de sons. Maintenant, Debordo, on a vu une fois que tu as chanté Maïmouna. Hein. Quand Maïmouna dit qu'il a chanté de Viviane Prabha, Viviane c'est une sorcière. Tout le monde sait que Viviane c'est une sorcière. Faut chanter Bintou, mais faut chanter Maïmouna. Tu dis aux Ivoiriens, j'ai fait sortir le son. Et puis nous on te monté de Bordeaux. C'est qu'on appelle la puissance du 225. Le pays d'Alassane Ouattara, le pays le plus debout. Et vous avez une remarque. Les sorciers là, ce sont les artistes camerounais. Il n'y a pas plus sorcier que les artistes camerounais entre eux-mêmes. Même les blogueurs entre eux sont sorciers. Ils se détruisent entre eux, ils se font du mal entre eux. Il y a une révélation. Les grands prix qui existent en matière d'artistes. Tout dernièrement, j'ai vu un des grands prix où Didi B a remporté, Kaes Bloom a remporté, et j'ai posé la question, pourquoi on n'a pas entendu le nom d'un seul artiste camerounais? Vous n'avez jamais posé la question. Dans les grands festivals en Afrique, lorsqu'on doit faire la récompense des artistes, on n'entend jamais le nom d'un seul artiste camerounais. Vous n'avez jamais posé. C'est-à-dire, les Camerounais ne sont jamais assis. Vous dites, mais pourquoi nos artistes, là, quand on parle des grands prix, par exemple le Primus, par exemple la Cora, pourquoi on n'entend pas le nom des artistes camerounais? Pourtant, des grands artistes camerounais. Le sorcier du Camerounais, c'est le Camerounais. Le gars, là, si il avait, le son était peut-être sorti. Peut-être, mais ça ne sera plus sorti. Et les Ivoiriens ont dit à Debordo, si tu t'amuses a fait sortir son. Nous, on t'est monté. Mais si ça a eu 100 000 vues, c'est que nous, on est chiens. Mais vous avez vu Debordo, dans son élégance, il n'a pas répondu à Malox. Parce que lui et Malox ne sont pas au même niveau musicalement parlant. Quand Debordo parle, Malox doit prendre un bique fait pour écrire. Ce n'est pas son camarade. Et Debordo a tous les défauts. Hein. Mais quand on dit Debordo, c'est le rival direct d'Arafat Didier, le sommet des sommets. C'est pas Debordo, lui, il est paresseux. C'est pour ça que les femmes prennent pour aller chanter Debordo, va au studio. Debordo descend, va au studio. Sinon, si Debordo s'assoit pour dire, ok, vous venez de me provoquer. J'ai fait un mois, je ne sors pas. Je dors dans le studio, je me réveille en studio. Jean-Bion, le monde entier va confirmer. Il n'y a pas quelqu'un qui a voix de Debordo. C'est un don extraordinaire. Regardez un artiste comme Ténor. J'ai écouté le son des ténors avec Arafat DJ. Je regarde comme je dis, mais c'est pas pour ça, c'est la magie ou bien quoi. Mais quel est le niveau aujourd'hui des ténors? Comment les Camerounais font monter ténor? Il y a eu histoire de ténor et puis Elis dit, façon qui était soulevée là, c'est quand il a été déposé. Les Camerounais disent, tu as menti. Conclusion. Oui, après tout ce tapage là maintenant, de Bordeaux le Koufa. En tout cas, reçoit le pardon, bien sûr, de Makosso. Makosso l'a appelé au téléphone. Makosso a commencé par lui demander pardon de sortir la chanson, de sortir la chanson. Et il est en train de, bon, de dire, je vais sortir, je vais faire ci. Pour que je vous ai encore montré, je vais encore vous montrer l'instant là. Parce que après, quand il va sortir la chanson, faudrait pas que les gens viennent ici me dire que, bon, tu avais dit que Debordo ne sortira pas. Il a sorti la chanson, tout ça là. Makosso est en train de demander pardon à Debordo pour qu'il sorte la chanson. Parce que Prince Aimé doit venir en Côte d'Ivoire, selon Debordo le Koufa. Parce que Debordo, bon, le voyant, il n'a pas les moyens, bien sûr, de faire déplacer l'artiste Prince Aimé. Donc, Makosso a dit qu'il va assurer, bien sûr, le billet d'avion. Suivi l'intégralité du début jusqu'à la fin. Cameroun qui m'a appelé, qui dit, ah, Makosso, il faut intervenir auprès de Debordo. Faut pas laisser le mouvement comme ça. Faut pas laisser le mouvement. Il y a Maïmoun aussi qui est là, hein, Maïmoun, tu dois faire sortir Maïmoun. Hein. Adjeneba, voilà, mais faut censer un peu, faut censer. Je sais que les Ivoiriens sont fâchés, mais ils ne sont même pas prêts. Si tu as fait sauter, boycotter. Mais pardon. À cause du monsieur.
Parce que dans une semaine, hein, ils vont plus parler du monsieur. Hein. Ils vont l'oublier. Ils vont l'oublier. Et puis toi, maintenant, tu as regretté. Ah, tu pouvais faire quelque chose, tu allais donner Jamana à ton prochain concert, tu allais l'inviter, elle est venue en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire Cameroun qui gagne. Toi, mais c'est que les Camerounais. Je te dis, qui t'a venu dire que tu as volé son par rapport à quoi? C'est méchant, mais il faut pardonner. Jésus même, on l'a accusé de tout. Il faut regarder à Dieu. Oui, moi je permets qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Prince aimé là. C'est un aveugle, un champion. Le Seigneur me demande de soutenir les gens. Il faut qu'ils viennent à Abidjan. C'est ça, mais c'est Ivoirien n'aime pas foutaise. Ils n'aiment pas foutaise. T'as vu comment les gens ont failli te kidnapper à ton appartement, non? Toi aussi, tu es un enfoiré hein, de Bordeaux. T'as vu comment les gens ont failli te kidnapper? Tes gens t'aiment. Hein? Est-ce que toi-même t'as conscience de ça même? Les gens t'aiment, hein? Allez, là, c'est que tu as lancé un concert, ça prend. Faut pas laisser. C'est ça. Moi, dis-lui, il dit quoi? Parce que, tiens, les gens sont allés le gamer. Ils ont fait. C'est un mouvement, ils ont dit, Joe, ça, tu peux manger des déchets, soit les remplir sa tête. Oh, faut nous laisser, nous contourner le mouvement. Toi, tu vois pas, nous, on voit, des bordons, on le connaît. Ouais, le gars, il est embrouillé. Tu connais ce mot, il est embrouillé. C'est un sentiment de Dieu. Donc ce qu'on a fait, nous, on a lui donné 48 heures pour qu'il même se prononce. Parce que lui aussi doit se prononcer. Mais les gens ont parlé. Qu'est-ce que lui aussi doit se prononcer? Est-ce qu'il lui peut chanter avec toi? Est-ce que lui, quand il t'a chanté, lui peut chanter? Est-ce qu'il lui peut chanter quand tu chantes? Okay. Yeah. Bien sûr. Ça marche. Comme sur le téléphone, moi il a parlé, et puis dans 48 heures, moi il vient te voir. C'est ça. Ça, c'est clair. C'est tout. Là, on ne faut plus. N'en dis pas plus. Moi, je pense à le dossier. N'en dis pas plus. Je te reviens. Ok, ça marche. Ok. Que Dieu te bénisse, c'est un débat. Ok. Voilà. Bon, voilà les gars, quelqu'un dit il n'a qu'à laisser, non, ne soyez pas dans cet esprit là, c'est pas un bon esprit, moi je ne veux pas que Debordo laisse parce que le monsieur là, c'est un aveugle, quand Dieu veut élever quelqu'un, quand Dieu veut le bénir, les sorciers viennent toujours l'attaquer, mais il faut maintenant avoir ce qu'on appelle le sens de la responsabilité, vous dites il n'a qu'à laisser, bon il laisse, et puis dans 2 mois vous apprenez que quelque chose est arrivé à l'actrice Prince B. Vous allez dire quoi? Oh, ces frères camerounais sont à la base. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas comme ça. Et les Camerounais que je connais ne sont pas comme ça. Arrêtez de parler de haine. Prince B, écoute-moi, tu ne vois pas, mais tu entends. Faut te prononcer. Prince B. On te donne 48 heures pour te prononcer. Tu veux que Debordo fasse le son, oui ou non? Point. Nous, on n'est pas. Debordo n'a pas besoin de son de Viviane, cette sorcière, cette maudite-là, pour devenir quelqu'un. Jamais. Debordo a besoin que des Ivoiriens. Il n'y a pas plus patriote que Debordo. C'est le prophète de la Côte d'Ivoire. Quand Debordo dit Côte d'Ivoire va gagner, Côte d'Ivoire gagne. C'est un prophète.
Donc nous aujourd'hui là, on ne veut pas aller loin dans les débats. Le prince est mis à 48 heures.